Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Devedjian. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député et président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors, on sait que dans les Hauts-de-Seine, il y a le principal quartier d'affaires en France qui est la Défense. On parle beaucoup de crise. Finalement, comment vous le ressentez, vous, au niveau de ces entreprises ? Ben, le département des Hauts-de-Seine, depuis toujours, depuis sa fondation, c'est un département qui a toujours voulu privilégier le développement économique parce que tout le reste, la politique sociale, n'est possible et à un haut niveau comme on en a besoin aujourd'hui que si on a un fort développement économique. Alors souvent, les Hauts-de-Seine, on les voit à travers la défense. Mais nous, notre souci, c'est justement que l'arbre ne cache pas la forêt. Il n'y a pas que la défense. Et la défense est très importante, c'est une locomotive très forte, mais nous avons des pôles de développement très importants sur le département. Et donc notre premier souci, c'est le développement de l'attractivité de notre territoire. La première chose dans ce domaine, c'est évidemment les moyens de transport. Alors justement, le chantier du Grand Paris prend en compte tous ces éléments-là. Est-ce que ça avance assez vite selon vous ? Qu'en attendez-vous précisément ? Ah ben, ce que j'en attends, c'est de l'argent. Comme tout le monde, c'est-à-dire en fait l'aboutissement de... Nous avons 4 projets de tramway dans le département, plus le projet EOL qui va évidemment passer de la gare Saint-Lazare à la Défense, puis vers Mantes ensuite. Nous avons des prolongations de métro, donc nous avons vraiment une densité de développement de moyens de transport qui est très importante et qui permet évidemment davantage de circulation. Ensuite, le deuxième élément de notre attractivité, c'est le développement du numérique. Nous voulons faire de ce département le premier département de France dans le domaine du numérique. C'est pourquoi nous sommes le seul territoire européen à avoir un programme de développement du très haut débit. Et en 2015, tout le département sera entièrement couvert et accessible au très haut débit. Ce qui, évidemment, est un élément de développement économique très important. Ça, c'est pour l'attractivité. Alors, pour revenir à un débat un peu plus national, vous avez été ministre de la Relance de Nicolas Sarkozy. Vous avez contribué aux efforts du gouvernement pour juguler la crise de 2008. Avec le recul, comment vous jugez le bilan de Nicolas Sarkozy, justement ? Alors, en matière économique, le développement est très fort. Par exemple, vous me parlez de la relance. Si je vous donne mon expérience sur la relance, nous avons eu un très gros programme d'investissement pendant 2 années, de l'investissement et pas du fonctionnement, donc avec un retour sur investissement. Et en 2009, la récession a frappé toute l'Europe. En France, elle a fait moins 2,5. En Allemagne, à laquelle nous nous comparons tout le temps, on a fait moins 4,9. Nous avons fait 2 fois mieux que l'Allemagne face à la crise. Ça, c'est le résultat de la politique de Nicolas Sarkozy. On a mis en place un dispositif comme celui d'Oseo, qui est un soutien aux PME et qui a, pendant la crise et au-delà de la crise, produit évidemment des résultats très importants. Maintenant, on va faire une banque industrielle dédiée aussi aux PME. Tout ceci, ce sont des éléments très forts. Le crédit impôt recherche a permis de localiser sur le territoire des centres de recherche qui auraient normalement été délocalisés. Donc si on ajoute tout ce qui a été fait, c'est un bilan très important. Alors finalement, on a un retour de bâton un petit peu cette année. Enfin, la crise revient. Est-ce qu'il manque pas, peut-être qu'il manque quelques briques encore ? Mais la crise, nous ne sommes pas une île au milieu d'un océan. La crise frappe tout le monde. Et la France, plutôt, moins que d'autres pays. Par exemple, si vous regardez la situation de l'Espagne, je ne vais même pas parler de la Grèce, mais si vous regardez la situation de l'Espagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, l'Allemagne s'en sort assez bien aussi, mais la plupart des pays européens sont très fortement frappés parce que la crise est mondiale. Donc, face à cette crise mondiale, la gouvernance de la France a été plutôt efficace. D'accord. Juste pour terminer, on est en période électorale. La gauche, progresse régulièrement aux élections dans votre département. Est-ce que ça vous inquiète ? La gauche progresse dans mon département. Non, ça ne m'inquiète pas, outre mesure. Enfin, ça veut dire aussi qu'il faut travailler, bien sûr. Mais nous avons perdu 2 ou 3 villes à cause de nos divisions. Et pour le reste... La politique qui est faite dans ce département, par exemple, nous sommes le premier département pour la politique sociale. Nous avons 26% de logements sociaux dans le département des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire autant pratiquement que le Val-de-Marne. Et en même temps, nous avons des budgets en équilibre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas endettés. Le Conseil général reste AAA.
Et nous continuons évidemment à un développement économique parce que ce département a toujours été géré avec sagesse et en faisant attention. Mais vous savez, on aurait pu avoir le destin de la Seine-Saint-Denis si on avait fait la même politique. Patrick Devedjian, merci beaucoup.